Pourquoi faites-vous cela ? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera revenir à vous. Pourquoi faites-vous cela ? Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'anon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet anon ? Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'anon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui les précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père ! Hosanna ! Dans les lieux très hauts !» Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les douze. Nous connaissons tous ce récit, n'est-ce pas? Et c'est un récit que nous trouvons dans les quatre évangiles pour nous dire comment c'était important cet événement dans la vie des disciples et aussi dans la première église. Mais ce récit est antithétique, si vous me permettez les mots. On sait qu'il montre des contradictions humaines qui se jouent là dans un même événement. C'est un peu comme quand on dit que tout va bien, quand en réalité, ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, le mouvement euphorique de la foule se retournera demain pour demander la peine capitale, la crucifixion. La foule passe vite de l'exultation à la colère. Cette histoire marque et la clé de voûte pour comprendre le début de la fin. Ça commence la passion, la crucifixion, la souffrance, la croix. Mais on se demande si Jésus savait ce qui va lui arriver, s'il savait que cette foule allait se retourner contre lui. En fait, oui. C'est lui-même qui provoque ces mouvements. Il vient de faire un miracle qui ne pouvait pas passer désaperçu, on dit, inaperçu, et c'était la résurrection de son ami Lazare. Alors, tout le monde parlait de ça. Alors, quand ils se sont aperçus que Jésus allait rentrer au Jérusalem, il avait tout un mouvement de masse. En montant vers Jérusalem, Jésus dit à ses disciples ce qui va arriver. Et il décrit ce qui est écrit de lui dans les prophètes. Ils les condamneront à mort et les livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils les flagelleront, ils les tueront. Et trois jours après, il les ressuscitera. Vous m'excusez mon accent espagnol, n'est-ce pas? Mais quelle force a ce texte. Quelle beauté qui nous fait regarder au-delà de ces moments précis de la vie de Jésus, notre propre expérience avec Dieu. Il était tellement important ce qu'il était dit par Jésus que ça fera partie du credo, des premiers credos de l'Église primitive. Sa passion, sa mort, la descente aux enfers, la résurrection, et on finit toujours Jésus-Christ et le Seigneur. C'est ça la déclaration, la première déclaration de foi de l'Église. Et l'évangéliste Marc met le cadre géographique de l'événement. Les gens montent vers Jérusalem pour célébrer la Pâque. Mais avant d'entrer à la capitale, Jésus s'arrête avec ses disciples entre deux villages, Béthanie et Bethphagé. Là, il va préparer son entrée à la capitale.
Et c'est intéressant parce que dans ces deux villages, à l'entrée de la ville, il y a aussi entre Jérusalem et ces villages la vallée du Cédron. Et je ne sais pas si quelqu'un de vous est parti à Jérusalem. Dans la vallée du Cédron se trouvent des cimetières qui entourent la ville de Jérusalem. Car on veut que les morts soient enterrés là-bas pour attendre le Messie. Et ceux qui sont plus proches, ils vont ressusciter les premiers. Alors Jésus s'arrête là-bas. En Béthanie, Jésus avait fait les miracles de la résurrection de son ami Lazare. Et c'est là aussi où Marie va faire ses gestes d'ensevelissement. Ensevelissement du pied de Jésus avec quand il verse des parfums sur ses pieds. Alors Jésus est là, presque dans la rentrée à Jérusalem, où nous savons que Jésus, dans un moment, pleure pour Jérusalem. Jérusalem, cité de la paix. Si nous regardons les événements, jamais il a eu de paix en Jérusalem. Toujours des périodes de guerre, bon, parfois des périodes de paix. Cité de la paix. Jésus pleure sur Jérusalem à ce moment. Il va annoncer qu'un jour, le temple sera détruit. Alors pourquoi Jésus rentre à Jérusalem? Pourquoi un ânon et non pas un cheval ou un chameau? Hein? Qu'est-ce que vous dites les enfants? Pourquoi un ânon et pas un cheval ou un chameau? Ça sera beaucoup plus imposant. Beaucoup plus, c'est pas, hein, ça sera de l'événement. Cependant, il est nécessaire que la prophétie de Zacharie s'accomplisse. Zacharie 9:9 dit ceci: Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un anneau, le petit d'une ânesse. Un anneau. C'est en opposition à un cheval. Pourquoi? Nous savons que ce texte de Zacharie a été écrit après l'exil. Il y a deux parties en Zacharie, dans le prophète Zacharie, dans le livre. Une première partie avant l'exil et une autre partie après l'exil. Et après l'exil, ça se passe quelque chose d'important dans la région. C'est Alexandre le Grand qui va venir conquérir toutes ces parties. Et Tyr va être détruite. Pierre, il ne va pas rester pierre sur pierre. Les pierres vont être jetées à la mer. Et alors, tellement a été et fort ces conquêtes, mais des terres qui étaient toujours conquises par un, par l'autre. Alors c'est là qu'à différence de ces grands conquéreurs du monde, le roi d'Israël allait rentrer dans ça. Il a pris un petit anneau. Il devait rentrer avec cette image de pauvreté, d'humilité. C'est ça qui symbolise cet anneau. Royauté, pauvreté, messianité. Mais ce roi d'Israël n'est pas venu pour dominer, pour exercer une domination de conquête sur un peuple. Le texte de Zacharie dit aussi, il apportera la paix et non la guerre. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront brisés, il parlera pour la paix des nations. Depuis tellement de siècles, cette prophétie n'est pas tout à fait accomplie, n'est-ce pas? Et hier soir, on était dans la soirée de louanges et de prières, on a passé un temps pour prier pour la paix. Vous voyez les mots ici au pied de
de la croix et les prières qui étaient aussi collées sur la croix. Et comme toujours, les prières s'élèvent vers le Seigneur et ne tombent pas. On a ramassé ce qui sont tombés et l'a mis dans la corbeille. On a prié encore et on prie encore pour la paix. Il va vers Jérusalem. Il va comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir, dira le prophète Esaïe. Pour Matthieu, Marc, Luc et Jean, cette rentrée à Jérusalem sera l'accomplissement de la prophétie. Le Messie est enfin arrivé. Il est enfin parmi nous. Il va nous libérer. Les gens ont vu les signes de Dieu dans des miracles. Mais il avait une dimension politique dans l'attente, bien sûr. La réaction du peuple d'acclamation est tout à fait compréhensible. Tout un cortège qui suivait Jésus en criant devant lui « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient au nom de notre Père David. » Hosanna est une expression hébraïque qui signifie « sauf maintenant ». Et nous l'avons lu, les peuples chantaient les psaumes 118 que Vincent vient de nous lire aussi. Sauf maintenant. David représente le roi politique qui a fait la grandeur de la nation d'Israël. Encore une fois, quand on va là-bas, on met en évidence la cité de David. C'était lui qui représente encore la naissance là, de l'État d'Israël. Hosanna. L'Église du premier temps, dans la Didache, que c'était le premier traité sur la pratique de l'Église, va reprendre ce mot Hosanna, la grâce, que la grâce vienne et qu'il vienne dans ce monde pour nous sauver. Les gens attendaient une libération politique. Une libération que vont faire sortir de la terre tous les païens qui occupaient ce pays. Ils s'étaient tellement écrasés par les impôts, excédés par cette occupation, qu'ils avaient une attente immense d'être libérés de façon politique. Et nous savons que parmi les disciples de Jésus, il avait aussi des militants nationalistes, hein, des nationalistes militants, si on peut dire, des groupes armés. Et parmi eux, il avait, parmi les disciples, Shimon, les Zélotes. Hein, c'est ce groupe qui s'appelait Zélotes, qui provoquait des attentats ici et là-bas pour contester la présence des Romains sur son territoire. Alors Jésus connaissait bien cette attente. Il y a donc une contradiction entre les signes de sa messianité qu'il vient à donner et ce que les gens attendaient. Finalement, le succès de cette entrée pousse les leaders religieux et les autorités romanes à les traiter comme un séditieux. Les religieux juifs avaient peur qu'une rébellion éclate et que les temples soient détruits. Ce qui va arriver dans l'année 70 avec l'entrée du général Titus à Jérusalem. Alors il fallait bannir cet homme qui causait des troubles. Et voilà que nous savons bien que la cause de sa condamnation à la peine capitale sera mise sur la croix. Jésus, roi des Juifs. Mais la tragédie de cette histoire, c'est que la foule qui l'acclame se retourne. Les mouvements des masses sont facilement influençables, n'est-ce pas? On sait qu'on ne peut pas les faire confiance. C'est le propre des foules. Mais Jésus ne conteste pas l'ovation.
Marc signale que finalement Jésus rentre à Jérusalem, il accepte cette ovation, mais il va direct au temple. Et les mots sont forts pour dire, il arrive au temple, il va tout regarder, mais il rentre en Béthanie avec ses 12 amis. Car c'est le lendemain, après avoir vu ce qu'il a vu dans le temple, il va faire la purification du temple. La foule n'a rien compris. Les disciples non plus. Dimanche dernier, nous avons dit que tout cela prend du sens après la résurrection. Tout cela sera compris à la lumière de voir Christ vivant. Et comme on a dit aussi dimanche dernier, sinon ça sera une croix comme une autre croix, un crucifié comme un autre crucifié. Mais ce qui a fait la différence et ce qui était vraiment à aider à interpréter tous ces événements avec la lumière différente, c'est la résurrection. Frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, devant le Seigneur, quelles sont nos attentes? Qu'attendons-nous de lui? Jésus est venu montrer un autre royaume. Il vient d'une manière cachée. Il n'est pas reconnu en première instance. Mais le royaume de Dieu est encore caché. Sinon, comment peut-on comprendre la bataille contre le mal dans tous ses visages? Souffrance, maladie, guerre. Et nous pouvons avoir les mêmes problèmes que la foule, l'incompréhension de la nature du règne de Christ. Qu'attendons-nous? Un royaume qui est ici et maintenant, mais pas encore complètement arrivé. Nous attendons encore l'accomplissement de son royaume dans ce monde. Le royaume de Jésus est venu sous la figure de l'obscurité, de la bassesse, de la pauvreté. Ce qui bouleverse toutes les valeurs de ce monde. Mais en lui, on découvre concrètement ce que signifie son message par son humilité, par sa personne. On comprend en le regardant ce que signifie la divinité de Dieu et l'humanité de l'homme. Le royaume veut dire présence réelle de Dieu dans ce monde. Le royaume peut être perçu de diverses façons. Nous avons le risque de les confiner seulement à la façon spirituelle, au domaine de l'esprit. On va à l'église le dimanche, on croit, on récite la confession de foi, mais on les laisse seulement confinés du côté de l'esprit. On peut aussi encourir le risque d'essayer de l'établir dans ce monde de façon politique. Et là, c'est la théologie de la libération qui a éclaté en Amérique latine quand j'étais très jeune, encore jeune. Et alors là, ont essayé d'aider Dieu à établir son royaume dans ce monde par les armes, souvent, par la contestation de toute injustice politique. Alors, nous pouvons tomber dans ces deux extrêmes. On peut être coupé du monde ou on peut être seulement lié à ce monde et on oublie l'autre dimension. Mais finalement, la présence réelle de Dieu dans le monde prend place dans la vie des personnes, dans la vie des hommes et des femmes, comme vous, comme moi. Jésus-Christ est venu lier ces deux aspects spirituels et matériels par ce qu'il a fait sur la croix. Et il l'a fait pour l'humanité et pour chacun de nous. Et il nous appelle par ce qu'il a fait à une décision personnelle, à un engagement de toute notre vie. Parce que la foule ne comprend,
rien. C'est pas possible que la foule réponde à la repentance, en conversion de cœur. C'est chacun de nous qu'on doit les revivre d'une façon différente. Nous sommes appelés aujourd'hui à prendre cet acte d'humilité comme un appel à un changement radical. C'est pour cela que la mort et la résurrection de Jésus ne doivent pas être comprises comme un fait du passé, mais comme une réalité présente, déterminante pour chacun de nous. Dans la réalité, Dieu prend place dans les diverses dimensions de la misère humaine. Et j'aime bien ce qui est écrit par un théologien, Jürgen Moltmann, dans son livre « Les dieux crucifiés ». Dans les cercles infernaux de la pauvreté, il faut dire « Dieu n'est pas mort, il est pain ». Dans les cercles infernaux de la violence, la présence de Dieu est expérimentée comme libération, rendant à l'homme sa dignité et lui conférant responsabilité. Dans les cercles infernaux de la destruction de la nature, Dieu est présent dans la joie d'exister et dans la paix entre l'homme et la nature. Frères et sœurs, Dieu fait cela à travers ceux et celles qui répondent à son appel, qui choisissent un règne qui n'est pas de ce monde, mais qui est au milieu de ce monde. C'est par chacun de nous que ce monde peut être illuminé par nos actions, par nos paroles, par nos attitudes. La présence réelle de Dieu est portée pour vous. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à un changement radical de toute notre vie pour qu'elle soit seulement à son service. Pouvons-nous, chacun de nous, dire aujourd'hui « Hosanna, béni soit mon Seigneur qui vienne ». Amen. Répondons au Seigneur avec les chants « Je me veux à ton service ». Qu'il t'en soit ainsi, que chacun de nous on puisse se remettre à son service.
Restons debout pour la confession des foi. En Dieu, le Père, il nous a créés, nous et toutes les créatures, pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Amen. Amen. Prenez place. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux ce matin. J'espère que vous allez tous rester à l'Assemblée générale. La plupart d'entre vous sont, j'espère, partis émargés et le compte est fait. Ce serait ma dernière assemblée générale en tant que membre du conseil presbytéral. Et je salue les anciens, mes prédécesseurs, qui m'ont beaucoup épaulé, aidé, soutenu. Et en particulier Jean Boissière, je suis sûre qu'il nous regarde de loin. Je pense qu'il n'a pas manqué beaucoup d'assemblées générales. Et je te salue, Jean. Et je te remercie aussi pour toutes ces années de soutien, de conseil. Cette semaine, on arrive dans la Semaine Sainte et vendredi à 20h30, nous réunissons pour un culte avec l'Église malgache pour commémorer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, dimanche, c'est la fête de Pâques. Et avec les enfants qui nous ont préparé, je pense, quelques surprises, des chants de la joie. Et puis, ceux qui souhaitent peuvent rester, emmener les repas. C'est un repas tiré des sacs, donc emmener de quoi partager dimanche. C'est tout, les jeunes ne se réunissent pas. Non. Okay. Alors, ça sera bien si dimanche prochain, on peut rester aussi pour profiter de la cour, plein de fleurs et passer un bon moment des familles spirituelles ensemble. C'est le moment des offrandes et nous disposons notre cœur à adorer le Seigneur par une partie de ce que le Seigneur nous donne pour vivre.
Je vous invite à vous mettre debout pour la prière d'intercession. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci car tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs de ta bonne nouvelle. Mais Seigneur, devant ce monde en souffrance, nous voulons crier à toi avec les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui dans la détresse, avec le peuple victime de la guerre en Gaza, Israël, Ukraine, République démocratique du Congo. Seigneur, dans tous les coins où la dignité de l'être humain va tirer vers le bas, là où il y a des injustices, où les enfants ne peuvent pas aller à l'école, où les femmes souffrent. Seigneur, que ton règne de paix vienne. Seigneur, nous voudrions que ce règne de paix vienne maintenant. Nous crions à toi avec nos frères et sœurs persécutés et emprisonnés à cause de leur foi, avec les torturés, les exilés, les réfugiés de tous les pays. Nous crions à toi avec nos amis, nos proches, frappés par l'épreuve, avec ceux qui sont seuls et sans espérance. Seigneur, nous te confions notre Église, notre Assemblée générale, et nous t'implorons que ton Esprit vienne guider nos pensées, nos mots et nos décisions. Et tout ce qu'il y a encore dans notre cœur, nous te le disons par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Recevez l'envoi et la bénédiction de notre Seigneur. Le Seigneur nous a libérés et nous a réconciliés avec lui, portant dans ce monde l'espérance qui vient de la croix et de sa résurrection. Soyons ces messagères de grâce. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous chantons tous unis dans l'esprit. Et après, nous restons pour l'assemblée.
Bonne assemblée. Je laisse... Bon, merci beaucoup, Vincent, que venons des probants.